Bonjour à tous, c'est Actimel de B. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite des ouvertures de la collection de Galard, je vais vous ouvrir le coffret L'Armée Léon. Petite info, c'est le starter que j'ai choisi dans le jeu, donc Pokémon Épée, voilà. Donc vite fait, hein, il y a trois cartes, dont une promo, donc c'est le L'Armée Léon. Là cette fois-ci en jumbo j'ai eu Zacian donc V et il y a le Pint donc de l'Armée Léon et 4 boosters. Donc je vais enlever le plastique sans plus tarder parce que ce qui nous intéresse, hein, pas le carton hein, mais c'est ce qu'il y a dedans. Donc voilà derrière, voilà comment c'est, hein. On a les 3 Pokémon. Du blabla et je trouvais que ça faisait cool. Donc c'est parti. On va ouvrir ça. N'oubliez pas d'aller voter sur... je m'étouffe. Ça y est, je pars. N'oubliez pas d'aller voter sur ma chaîne YouTube. Le coffret qui me rapportera le plus d'ultra. Pour l'instant, Flambino a rapporté une secrète, une GX et comment on appelle ça, une turbo. Oh, oh, le désordre. Donc pour l'instant, Flambino est en tête. Pour combien de temps? Nanana. Allez, hop, salut. Donc voilà la jumbo, c'est Zacian. Donc je vais vous montrer les deux qu'on peut avoir en fait. Hein. Zamazenta et Zacian. Il est quand même beau, il est encore beau. Donc voilà, les... oh bon oui c'est normal, bouclier, plus de vie, c'est normal. Mais il fait plus mal. Donc voilà pour les jumbo. Ensuite, maintenant on va pouvoir zoomer. Voilà, donc là c'est une promo. Le L'Armée Léon est promo. Et là on a les mêmes, Wistempo et Flambino. Et je vais vous montrer voilà, la différence. Ça, c'était le coffret Flambino. Et ça, c'est le coffret L'Armée Léon. Voilà, donc ça, c'est une promo qu'on a dans le coffret Flambino. Et elle, c'est celle qu'on a dans le coffret Wistempo et L'Armée Léon. C'est juste une carte d'une nouvelle extension. Voilà, petite différence, c'est que selon le coffret que vous prenez, le starter sera la promo. Et pour le L'Armée Léon, la petite différence, donc là c'est L'Armée Léon promo, donc l'holographisme c'est le même, sauf que c'est une promo. Et ça c'était dans l'autre coffret, donc on voit bien la différence, hein. On a deux cartes différentes. Donc je pense que ces cartes, ça sera hors promo, hein. ça sera les cartes de la nouvelle extension je pense, les deux là. Donc on verra. Le Pins, qui est trop choupi, je l'adore. Donc, juste avant, j'ai eu le Flambino. Franchement, ils sont classe, hein, mais Flambino est quand même très mignon. Très, très, très mignon. Ah bah, il veut pas se montrer. Ah bah, tu resteras comme ça, voilà. Je sais qu'il est timide, mais quand même. Et là-dedans, 4 boosters. Alors, 2 équipes cosmiques... Éclipse cosmique, duo de choc. Bon, ça change pas. Hein. On a évolution et deux cosmiques en fait. Ça va, ça va. Je commence toujours par évolution parce que c'est pas mon préféré. C'est pas ma série préférée. Enfin, j'ai dit ça hein, dans l'ouverture de Flambino, mais finalement, elle m'a rapporté une secrète. Donc bon, peut-être qu'à force de dire que je l'aime pas, elle m'a tiré des bonnes cartes. Hein. 2, 3, 1, 2. Voilà, je crois que c'est comme ça le truc. 2, 3, 1, 2. Donc c'est parti avec Ratata, Sac de nœuds, Starry, Énergie à garder parce qu'elle compte dans la collection. Magikarp. Oh non! 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 Fais juste! C'est la même.
potion secrète que j'ai eue dans le paquet d'avant! Et pour finir, en rare popopo, Dracaufeu holographique. Ouais, mais quand même. Oh yeah. Ah, trop la classe. Je te mets en dessous, je t'aime pas là. Voilà. Bon, ben une secrète inolo. Pour l'instant, c'est toujours Flambino qui est devant, hein. Eh ben oui, hein. Quoique, bon, j'ai dit que la turbo c'était comme une ultra, hein. Comme une holo, donc bon, on verra, hein. Là, c'est parti avec éclipse cosmique. Ça va m'énerver à force, ça va m'énerver. Deux fois la même secrète. Bon, elle doit pas avoir beaucoup de valeur, hein. Si elle sort comme ça. Bon, on verra. Alors, c'est parti. Carvana. Gruikui qui fait dodo. Togemaru qui est vénère. Onyx. Welmer. Énergie. Donc, celle-ci, elle sort pas grand-chose. Ah, oh, Grotichon. Je crois que je l'avais pas, celle-là. Mangriffe. Oh, je l'ai déjà. Ortide, en reverse, canapèche de Neffy. Je l'adore Neffy, elle est trop belle, elle est trop classe. C'est, enfin, ouais, un des persos que j'aime bien en fait de la série. Spécial à Alola, parce qu'après moi j'aime bien Ondine. Voilà, bon, on verra. Mais dans Soleil et Lune, Neffy, je l'aime bien. Pour finir, en rare. Alors attention, concentration. Crabominable. Il est cool, je le trouve mignon. Bon, ouais, je fais le Murloc, mais bon. Donc, pour l'instant, toujours pas d'ultra. Pour égaliser avec Flambino, ça serait trop bien en fait une ultra. Une Full Art, hein. Ah, s'il y a une Full Art, je pense qu'il passe devant. L'Armélion passe devant s'il y a une Full Art. Allez, c'est parti! Tadmorph, Roucoule, Mini Draco, Scalpion, oh, Tadmorph d'Alola, Énervant pour une énergie, on s'en fout, Jasmine, Draco, ah, Matoufeu, Reverse, Psycho-Couac, et pour finir, en rare, oh, on le voit, enfin, oh, Artigodin, holographique, oh, mais il est beau, ah, je suis contente. Il est beau. Dernier booster. Allez, allez. S'il y a une ultra, c'est l'Armélion qui passe devant. Allez, team l'Armélion. Ultra, ultra, ultra. Secrète. Ou Foula. Ultra, ultra. Allez, c'est parti. Alors, je range les cartes. J'ai pas envie de mélanger. Quand on a beaucoup de cartes, c'est vite relou à tout classer. Magnéti, Evoli, Flabébé, oh, Farfuré, Natou, Énergie, ah, Escouade, Jujube, Zoumane, Jujube, Chimérite, ouais, c'est ça, Chimérite, Lilia qui est en train de se choper un Monita, ça me fait trop marrer ces cartes. Venalgue en reverse et pour finir en rare, Kaimorph. Bon, ben tant pis, malheureusement. Flambino reste number one. Oh, pas juste. Mais on a quand même une secrète là, une très belle holo, Dracaufeu. Et là encore une autre très belle holo, un légendaire quoi, Zartigodin. Donc voilà le petit pin qu'il y avait dans le coffret. Bon, je ne vais pas vous montrer les autres cartes, je vous montre que la promo, voilà, du coffret. Hein. Donc là, c'était le Larméléon. Et le Bozacian. Je ne sais pas si j'ai déjà précisé, mais ce n'est pas des promos, hein, les jumbos.
Ce ne sont pas des promos. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires. Dites-moi votre carte préférée de là en fait. Voilà. Draco Feolo, la secrète avec noix de coco et sa tête, ou Artigonin holographique. Moi perso, c'est lui hein, que j'adore, c'est Dracaufeu. Donc voilà pour ce coffret. Voilà, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.